Vous êtes intéressé par le kit de vélo Twist and Ride de chez Zulupak. Il y a à l'intérieur du produit que vous allez recevoir 5 éléments. Une pochette PVC transparente étanche, une araignée silicone, un cordon autour du cou et derrière vous avez une plaque pour permettre un certain type d'accroche ainsi que la boucle pour accrocher sur le guidon du vélo. La pochette étanche s'utilise comme ceci. Il suffit de décrocher le velcro, dérouler une première fois, vous avez un léger dévers qui vous permet de rentrer facilement à l'intérieur. Vous prenez votre téléphone, vous glissez le téléphone dedans. Je ferme en tournant une première fois, velcro une deuxième fois. C'est absolument étanche à la submersion. Deuxième élément, vous allez recevoir une plaque. Cette plaque, vous la recevrez montée à l'arrière de la housse de téléphone. Vous pouvez la démonter, il suffit d'emboîter les boucles dans les fentes. En forçant un petit peu, comme ceci. Comme cela. Ça vous permet de garder la plaque solidement fixée à l'arrière du téléphone, elle ne peut pas se déboîter. Avec la poche étanche, vous avez un cordon autour du cou. Ça vous permet donc de porter le téléphone autour du cou si jamais vous marchez. Il suffit d'insérer le premier onglet dans la bordure, deuxième onglet dans la bordure, le téléphone est pendu. Facile, ajustable, réglable, facile à décrocher. Autre élément dans le package, une araignée en silicone. Cette araignée monte sur le téléphone en insérant les quatre coins. Comme ceci. Elle s'étire sur à peu près toutes les tailles de téléphone. À l'arrière, vous avez un montage asymétrique qui vous permet normalement de trouver une façon de ménager la caméra. Vous aurez aussi ce petit bracelet silicone qui vient s'adapter sur le guidon. Il a quelques éléments de détail importants. Vous avez une petite flèche ici. La flèche indique en fait le sens de glissement pour l'extraction. Nous allons y venir. Et la deuxième chose, c'est qu'à l'arrière, vous avez une petite vis. Vous pouvez jouer sur cette vis pour régler la dureté de la rotation. Et vous pouvez aussi enlever cette vis et démonter avec une rotation de la partie frontale à 90 degrés à chaque fois si vous n'êtes pas content du sens de glissement pour pouvoir libérer le téléphone. Le bracelet silicone se monte comme ceci. La flèche vient en général vers le cycliste. Vous pourrez ensuite prendre votre téléphone, glisser pour insérer comme ceci, le téléphone est bloqué dans toutes les directions. Vous voulez libérer le téléphone, 180 degrés, glissement vers la sortie. Lorsque vous avez le téléphone dans sa housse étanche, le téléphone réagit toujours, l'écran est tactile. Et vous pouvez ensuite venir accrocher la housse étanche sur le guidon de votre vélo. Jouer avec son orientation. Le libérer de la même façon, 180 degrés, glissement.